quand t'as déjà chauffé l'amour? C'est-à-dire? Après l'acte, c'était tellement intense et t'avais chaud en bas. Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Désolé pour mes ex. Oh! C'est déjà arrivé, j'ai déjà mis des glaçons. Où ça? Bah, ma ch... Ah oui, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, c'est du lourd. Et si vous avez aimé juste les débuts, laissez-moi un pouce bleu. Pouce bleu, pouce bleu, comme d'habitude. Quand vous regardez et que vous aimez, il faut liker. Partager même. Faites rire les autres, les gars. C'est très important. Tu rigoles? Fais rigoler les autres. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai été dans la rue pour demander aux filles si elles se sont déjà fait chauffer la moule. Quand je parle de chauffer la moule, bon, je peux pas tout dire pour que, de peur que la vidéo soit censurée. Donc, quand je parle de chauffer la moule, genre en bas, elles avaient vraiment chaud après. Voilà, après les bails. T'as capté ou pas? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, vous aussi, les gars, venez me dire en commentaire. Parce que la meuf, elle a parlé de son ex. Hein. Elle a parlé de son ex. Oh non, désolé pour ses ex. Eh, les gars, faut bien faire le taf. Hein. Je vous laisse pour la suite de la vidéo pour ne pas monopoliser la parole. Générique. Bonjour, bonjour. 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 Il fait chaud, vous avez des, je sais pas, des tenues un peu dorées. En fait, parce que c'est la fête, parce que c'est l'été. C'est parce pour que attirer c'est... plus le soleil. Oh, d'accord, mais ça c'est plus le soir. Hein, ce genre pas du tout, ouais, il n'a pas de tenue soir, ou, au contraire, ça brille avec le soleil. Le soir, il n'a pas de soleil, ça brille pas. Il faut être logique dans les propos. Sinon, c'est stylé, j'aime bien. Oui, alors, merci. Est-ce qu'on vous a déjà chauffé la moule et vous avez mis des glaçons après? Tout le temps. Après l'acte. Bah oui. Moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, après l'acte, il y en a un autre qui suit. On ne peut pas s'arrêter avec un seul acte. On est très actueux. On fait beau, on a multi-action. Je ne sais pas. Et du coup, voilà. Les glaçons, ils font même avant d'arriver jusqu'à la chambre. Mais tant que ce que tu dirais, c'est que tu comprends. Bon, parce que... On vous appelle Michou Mutombo. Michou Mutombo. Enchanté, moi, c'est des games. Alors, merci. Dis-moi, Michou. Michou, c'est oui. ça Oui. Alors, dis-moi. Est-ce qu'un homme t'a déjà mis KO au lit? Oui. Jusqu'au point où tu avais chaud en bas? Oui. Et t'as mis des glaçons? Non, pas les glaçons. C'est comme s'il y avait le piment. Aïe. Mais comment t'as fait pour apaiser cette situation? Ah, je supportais. Même si ça faisait mal, je disais toujours ouais, vas-y. Oh, mais non, alléluia, putain. Mais non, j'aime ça, moi. Excuse-moi, tu te répètes, t'as dit quoi? Même si ça faisait mal, mais je disais toujours, ouais, vas-y, ça fait continue. Pas mal. Donc, mais j'avais tellement mal, mais c'était vraiment bon. Mais c'est quand même bizarre, hein. Ça fait mal, mais vous dites au gars, ouais. Va plus fort. Oui, oui, c'est trop bon. Et caméraman, tu fais plus. Coupe. On vous a déjà mis KO au lit. Comment tu me regardes, on peut mettre KO? Mais on sait jamais. Jamais. On t'a jamais mis KO? Non. Sérieusement? Sérieusement. Quand on fait des bails avec une meuf, il faut bien représenter sa patrie. Ah oui, parce qu'il y en a, vous faites pas bien le taf. Hein. Regardez. Regardez vous-même dans la vidéo, en fait. Ah. Les gars, faut bien faire le taf. On continue. Non, sérieusement. Sérieusement. On vous a jamais chauffé la bombe là? Yeah. Oui ou non? En bas où? Ici? Non. Où ça? Au milieu. Au milieu où ça? Ici? Non, au milieu. Où? Au milieu de ton corps. Là? On peut pas tout dire. On censure. Mais moi, je retourne la question. C'est moi qui pose les questions. Oh. Ah, mais on sait jamais. Dis-moi, toi, est-ce qu'on t'a déjà chauffé la moule? Est-ce que toi, tu chauffes aussi? On peut y aller après ici, hein, si tu veux. Il faut arrêter. Dis-moi, on t'a déjà chauffé la moule ou pas? Aïe. Là-bas, là, est-ce qu'on t'a déjà chauffé? Là-bas, c'est où? Jusqu'à ce que t'as mis des glaçons. Mais là-bas, où? Là-bas, où? Bon, comme là-bas, elle veut rien dire. Oh. Où ça? Là-bas? Où? À où? On peut pas prononcer. Il y a des enfants qui nous regardent. Comprenez. Est-ce qu'on t'a déjà chauffé la moule? Ouais. Ouais? Ouais. D'accord. On continue la question. On t'a chauffé la moule jusqu'au point où t'as mis des glaçons? Honnêtement. Non. Alors dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà chauffé la moule? Beaucoup même. Waouh. Beaucoup même? Ouais. Ah ouais, ouais. Oh là 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 là. Alors, c'est déjà arrivé, on te chauffe la moule, ok? Ouais. Genre t'avais grave chaud en bas. Ouais. Et t'as mis des glaçons.
Ah non. Là non. Non. On bat là. Genre vous faites des bails et les gars ils vous a tellement chauffé. Et vous allez chercher les garçons. Non, pardon. Jamais. Vous avez cherché les glaçons. Non, pardon. Il arrive. Est-ce qu'on vous a déjà chauffé la moule? Je comprends pas ta question. Chauffer la moule? Chauffer la moule. Vous faisiez des bails jusqu'au point où... Et c'est chaud? Ouais. C'était vraiment chaud en bas. Ça brûlait. Ça faisait mal. Voilà. Ah ben oui, quand c'est trop, quand tu t'en fais trop, à un moment donné, il faut arrêter. C'est chaud, ça fait mal. Ça arrive pas tout le temps. Mais ça arrive pas tout le temps, mais c'est avec que ton chéri. Non, mais pas forcément. Non, mais quand je dis que ton chéri, ben moi, que mon chéri. Hein. Donc, en tout cas, ouais. Et toi, déjà? Non, jamais. Pas encore? Bon, je reviens vers toi. Est-ce que t'as déjà mis des glaçons? Pourquoi? Pour apaiser la chaleur. Non, je me... Les brûlures. Prends des glaçons. Quand je suis allée me doucher, je sais pas, il y a l'eau qui apaise aussi. Pas forcément de glaçons. Écoutez très bien. Écoute. Est-ce qu'on vous a déjà chauffé la moule? Est-ce qu'on t'a déjà chauffé la moule? Non, mais juste j'ai pas trop marché pendant 2 jours, mais c'est tout. Pendant 2 jours? Ouais, j'avais des courbatures et tout. Oh là là, il était de quelle origine? C'était un métis, c'était un antillais. Un métis, antillais. Est-ce qu'on t'a déjà chauffé la chenec? Ah, mais achetez moi les questions que tu poses. Je vais pas répondre à des trucs comme ça. T'as déjà chauffé la chenille? Je suis obligé de répondre? Bah oui, oui ou non? Je vais pas répondre. La vie, je peux pas répondre. Bah on peut. Oui, on peut t'inquiète, je suis prête. T'es prête? Ouais. Tu redoutes pas de la question? Mais non. Ah, non. J'ai vu pire sur ta chaîne 9. Oh. J'ai vu pire. Bon. J'ai vu pire. Donc tu seras moins choqué alors. Ouais. Alors c'est parti, dis-moi. Ouais. Honnêtement. T'as déjà fait les bails, non? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais fait. Hein. J'attends le mariage. Bien sûr. Ça se voit pas dans ta tête, t'inquiète. Alors, c'est parti, dis-moi. Ouais. Honnêtement, ouais. Est-ce qu'un mec t'a déjà mis KO au lit? Honnêtement, ouais. Non. C'est jamais arrivé. Jamais. Bon, ok, on va développer. T'as déjà fait des bails avec quelqu'un? Ouais. C'était tellement intense et t'avais chaud en bas. Ça ouais, ça brûlait. Là, oui. Ouais. D'accord. Mais comment t'as fait pour apaiser cette douleur? Ah, je suis allée à la pharmacie directement, j'ai pris une crème. Je te jure, genre, j'arrivais pas. Je lui ai dit, j'arrive pas, ça brûle. Genre, je pouvais pas me mettre debout. Mm-hmm. Et du coup, il m'a dit, vas-y, je vais aller à la pharmacie. Il allait, je sais pas qu'est-ce qu'il allait dire là-bas, mais... Il a il m'a ramené une pommade, tranquille. Super. Et est-ce que t'as déjà entendu, genre, les pratiques des glaçons? Genre, t'as chaud et tu mets les glaçons. Ouais, j'ai dit, c'est... Oh, mais non. Mais tu sais, il y a un viens. Ça aussi. Attends, t'avais chaud en bas. T'as ça déjà essayé. Ça diminue la douleur, déjà. Ah oui. Ça, tu vois, ça contraste un peu entre chaud froid. Tu l'as fait plusieurs fois ou je sais pas? Trois fois ouais. Genre, t'avais chaud en bas, t'as mis les glaçons. Oui, c'est un peu logique. Logique. Oui. Pour tout toi. Tu mets pas tout le temps de la crème, sinon après... C'est là, pas c'est bon rapide, quoi. Bah oui. Frigo, pain. Exactement. Au lieu de sortir et tout ça, t'as tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on t'a déjà chauffé la moule? C'est-à-dire? Après l'acte, c'était tellement intense et t'avais chaud en bas. Non, ça m'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Désolé pour mes ex. Oh! Viens, s'il te plaît. C'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. T'aimerais bien? Ah bah oui. Attends, faut réaliser quand même un fantasme. Donc t'as jamais mis des glaçons en bas, toi? Jamais. À cause de la chaleur et tout? Jamais. T'as entendu parler chez les filles ou quoi? Oui, j'ai déjà entendu, ça c'est connu ça, chez les Sénégalaises. Ah ouais? Pour resserrer le vagin. Oh! Mais attends, explique-nous. Parce qu'il y a des gens qui ignorent. Mais je vais vous expliquer ça. Quoi? Ça c'est les histoires des grandes personnes. Ah, explique. Adultes. Parce que nous les gars on ignore en fait. Ah bon? Même s'il y a des meufs aussi. Faut retourner à l'école. Oh, ouais. Faut retourner à l'école. On nous apprend pas ça à l'école. Ah non, faut retourner. T'as appris à faire des bails à l'école? Je pense pas. Il y avait bien le cours d'éducation sexuelle. Même si il y avait des limites. Arrête. On t'a appris le Kama Sutra à l'école? Moi je peux pas tout apprendre ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était bien des Game Pro. En tout cas, très simple.
J'ai pas l'habitude de faire l'intro de fin, mais si je le fais, c'est juste pour ça là. C'est juste pour ça, pour le pouce bleu. Laisse-moi mon pouce bleu avant de se quitter en fait. Laisse-moi mon pouce bleu, sinon je reste là, je bouge pas. C'est la fin de la vidéo, j'attends le pouce bleu. Bon, si tu l'as fait, merci. Mais c'est toi qui l'as pas encore fait, je sais pas tu attends quoi, mais bon. Ça te coûte rien du tout. Écoute, nouvelle...